Une mesure qui entrera en vigueur dans les prochains mois, et ce après l'achèvement de la campagne lancée par le ministre du Commerce pour sa vulgarisation. C'est un document ou un contrat entre le vendeur et l'acheteur, et il concernera certains secteurs tels que celui de l'agriculture, la pêche et l'artisanat. Ils pourront, grâce au nouveau décret, utiliser soit la facture type, soit celle utilisée avant. Un document qui permettra donc aux commerçants, aux vendeurs et aux consommateurs de connaître leurs devoirs, mais aussi leurs droits. Il y aura une certaine transparence. Grâce à ce nouveau document, les agents de contrôle pourront savoir qui est derrière la hausse des prix. Par ailleurs, ce document assure le droit de chacun. Protéger l'économie nationale et assurer la transparence dans les transactions commerciales, c'est la mission que s'est fixée le ministère du Commerce afin de resserrer l'étau autour des acteurs activants dans le marché informel.